C'est le moment, c'est l'instant, Hippolyte. Mais oui, Alex, mais cette fois, j'ai essayé de faire une chronique un peu explicite, quoi, pour qu'on comprenne quelque chose. Et d'ailleurs, c'est plutôt pour toi, hein, c'est pour toi, parce qu'en général, tu dis que tu comprends rien, mais là, je pense que quand même, it will ring a bell pour toi. Et c'est une chronique aussi pour ce couple à qui on souhaite un joyeux confinement, là, Laura et David, avec leur demande en mariage. Parce que, putain, on en a pris quand même pour un mois de plus, minimum. Alors franchement, mais qu'est-ce qu'il nous reste? Ça me rappelle Hippo, moi. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Le lendemain qui chante? Le grand marché européen? On a que dalle, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et vous savez très bien que c'est pire que tout. Eh ouais, on a que dalle. Il reste que ça, l'amour. Ah, je suis seul avec toi et toi avec moi, sous le même toit, au moins encore un mois. Alors on fait quoi? Monopoly, Uno, Scrabble? T'es sérieux là où tu rigoles? On va faire tout ce qu'on n'a jamais fait. Du yoga, du vegan, du tri parfait. Je vais faire une caponata en chantant un petit peu d'opéra. Moi je vais ranger la bibliothèque puisqu'on m'interdit la discothèque. Moi je vais faire le tri de tous mes trucs. Les bibelots, les gadgets, tous caducs. Je me débarrasse de ma garde-robe. Je suis devenu consommaphobe. Je vais doubler la voix du président à la télé, comme s'il présentait une émission de télé-réalité. Je ferai le marathon entre ma cuisine et ma chambre. Je démarre maintenant pour finir en décembre. Je ferai des blagues idiotes sur le web, histoire de « on sait jamais, peut-être être célèbre ». Je vais regarder passer les nuages pour y lire l'explication scientifique de ce naufrage. Ouais. Ok, mais dis-moi, si on y est encore un mois, tu crois pas que toi, moi, si ça tombe pas sous le coup de la loi, on pourrait pas faire ça? Faire quoi? Tu veux dire ça? Faut une atteste pour faire ce truc-là? Je crois pas. On le fait, voilà. Ok, occupe-toi de moi. Oui, mais alors toi de moi. Oui, mais 2 mois. Et même 6 mois, si on s'aime. T'as enlevé tout ce qui m'empêchait de voir? Oui. Je veux que ton regard soit ton dard. Assieds-toi sur tes talons comme si t'allais tomber. Et laisse-moi te regarder là où je regarde jamais. Est-ce que tu aimes ce rare paysage? Je ne savais pas que c'était beau comme un visage. Si, davantage encore, je me penche et alors quoi? Je me glisse sous toi et j'en reste quoi? Je n'avais jamais vu ce petit pli ici. Je te l'avais toujours caché, là aussi. Et si je me mets là, tu aimes ça? Ouais, je frissonne de haut en bas. Et si je serre fort, oh bon, on verra. Et si je pince encore, ah ça restera. Nous sommes comme les pandas qui ressuscitent après 10 ans de confinement. On leur coïte. On va s'user à faire ça, mais quoi faire? Quoi sauf ça? Ma bouche est full de liquide, le sang gonfle, elle tient vide. Il vibre, se dresse, il jubile. Il attend que ta bouche le huile. Je te laisse faire son viril. Non, please, secoue, ça m'horripile. 1 mois, c'est long, je vais faire ma difficile. En avril, en mai, c'est moi qui décide de l'érectile. Si c'est ainsi, sens-tu mon majeur? Arrête, je vais faire un malheur. Sens-tu qu'il n'est pas seul? Oui, yes, en effet, il est loin d'être single. Je fonds, je melt, oh my god, plus fort qu'avec ce god. Je peux plus retenir ce qui coule, donne-moi ta bouche que je lui colle. Voilà la nouvelle doxa de ce confinement de force. Alors oui, rapproche-toi de moi, serrons-nous pour des mois. On n'y échappera pas, plutôt passer de vie à trépas que de renoncer au baiser maintenant. C'est pas le moment d'être abstinent. Il faut aimer ce moment de confinement. Il faut embrasser ce confinement, réussir cet isolement. Ah, alors oui, viens là contre moi. Je sens en toi tous les mois, de ma peau sous tes doigts. Et ton... Ah, s'il te plaît, tais-toi. Ta bouche fait mieux que des mots, et ta langue soigne de tous les mots. Tu l'as dit à la strophe d'avant. Embrasse mon confinement. Embrasse mon confinement. Hippolyte Girardot, merci. Alors, si vous êtes une femme, ne croisez pas Hippolyte le 11 mai à 8h du matin. C'est déconseillé. Ma chronique est mixte. Ma chronique est mixte. Elle est pour les filles et les garçons.